educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the Hall of Shame. I wish I knew. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur la chaîne de Feu la Savonnerie. La dernière c'était les bougies je crois, et c'était il y a déjà de nombreux mois. Effectivement, depuis qu'on a quitté Marc, qu'on a quitté notre première savonnerie, notre petit bébé de savonnerie, celle qui nous a vu naître, eh ben, on a eu beaucoup de travail, et notamment pour faire naître, pour créer cette nouvelle savonnerie que je vais vous faire visiter aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment très, très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui, puisque ça fait déjà un an, plus d'un an même, qu'on a remballé la savonnerie à Marc dans les Yvelines. Et je sais que vous êtes nombreux à me suivre depuis et même avant. Et donc du coup, je suis contente de vous faire découvrir cette nouvelle savonnerie, ce nouvel endroit, ce nouvel espace de travail, où vous allez me voir évoluer dans les prochaines vidéos. C'est bien entendu beaucoup d'émotions, parce que comme vous pouvez l'imaginer, ou comme vous le savez si vous avez fait des travaux, c'est pas une mince affaire. Voilà, c'est vraiment pas une mince affaire. Il y a des moments de super joie, il y a des moments difficiles, et puis c'est long, et puis ça n'avance pas toujours comme on veut, ça se passe pas toujours comme on veut. Et voilà, et c'est très coûteux, et donc par moments, effectivement, on se pose des questions, surtout dans une année économique qui est vraiment la pire depuis 5 ans qu'on a ouvert la savonnerie. Mais voilà, c'est vraiment pour moi le début d'une nouvelle aventure, et je suis vraiment, vraiment contente de la partager avec vous. Donc sans plus attendre, on y va. Donc ici, on est dans l'entrée. Une entrée qui sert évidemment de zone d'habillage, de vestiaire. Un endroit où on laisse nos vêtements, enfin pas tous, hein, mais nos vêtements entre guillemets sales d'extérieur, ainsi que les chaussures. Et on va récupérer, bon là je les ai au pied, mais on va récupérer les sabots ici d'intérieur. On va récupérer aussi, du coup je les ai sur moi aussi, mais là en l'occurrence le tablier et la charlotte. Là j'ai une blouse également pour quand je fais des savons. Et donc on a un vestiaire ici pour... voilà, se changer. Donc c'est une zone entrée et vestiaire. Ici, là-bas, vous apercevez donc le lave-main. Pour se laver les mains avant de rentrer dans le laboratoire, évidemment. Mais pas que, puisque en face, il y a les toilettes. Donc, évidemment, ceci explique cela. Ici, c'est les WC. Avec une petite fenêtre sur l'extérieur. C'est une très vieille bâtisse. Voilà. Alors, les toilettes, ça va pas être évident parce que c'est pas très grand. Je recule un petit peu l'angle de la caméra. Ici, on avait un renfoncement, donc j'ai créé une tablette. Il y a encore les luminaires à poser. Ça, je ne l'ai pas fait encore. Mais voilà ce que ça donne. Des WC, et donc ici, bon, je crois que c'est l'endroit le plus exigu, donc ça sera plus facile de vous montrer les autres pièces. Évidemment, l'entrée c'est pas le plus grand, mais j'aime bien cette petite entrée. J'aime beaucoup déjà l'atmosphère qui règne, les couleurs, ce mélange de beige et de blanc. On a la zone de stockage que je vous montrerai après, puisqu'on y accède également par le labo.
Mais on va tout de suite rentrer dans le cœur du sujet. Alors ici on a l'espace de nettoyage avec la plonge, le lave-vaisselle et une desserte. Je ne vous avais pas montré encore parce que je ne voulais pas vous spoiler, mais on a une jolie verrière qui donne sur l'entrée. Et de l'autre côté, donc l'espace de production avec le plan de travail, des tables à roulettes que je peux du coup moduler. Là, en l'occurrence, il y en a une qui reste là pour agrandir le plan de travail et l'autre que je me sers un petit peu d'îlot que je peux déplacer. Dans le fond, il y a toutes les matières premières qui sont entamées. Ici, donc, il y a un muret qui sépare le labo en deux et qui va me servir certainement à poser des choses, etc. Notamment pour filmer, très pratique, pour filmer les créations. De l'autre côté, ici, c'est l'espace fabrication de bougies. Et là, il n'est pas encore fini, là où vous voyez ma ring light, c'est là où on va mettre le frigo. Je l'ai déjà, mais il est très très gros, il est dans la maison, il va falloir qu'on le passe par les fenêtres, donc du coup, on ne l'a pas encore fait. Mais j'espère d'ici une ou deux semaines, il sera ici, parce que j'en ai besoin. Donc là-bas, c'est plutôt un espace de rangement, j'ai une autre desserte sur laquelle je mets mes fiches de fabrication, les fichiers, les documents qui sont importants, que je remplis pendant les productions. Et voilà une vue un peu plus d'ensemble. Ici, c'est la poutre d'origine que j'ai complètement rénovée et rendue conforme aux normes d'hygiène. Et donc, de l'autre côté de ce muret, en fait, il y a un autre espace qui servira notamment quand on sera plusieurs à travailler et qui sera plus un espace de découpe de savon ici. Voilà, avec du stockage, évidemment, pour mettre tout le matériel, les découpeurs, ici tous les moules, d'autres découpeurs, beaucoup de pichets, des caisses. Et donc là, on rentre par ici, donc dans l'espace de stockage qu'on a vu depuis l'entrée qui se trouve là-bas, donc on y accède des deux endroits. De l'entrée pour faire arriver les matières premières et les livraisons que je peux avoir de tout. Hein. Et puis l'accès par ici, du coup, pour se servir pendant les productions quand on en a besoin. Déjà bien plein. Donc ici on a la porte qui mène à l'entrée. Vous avez noté les différences de raisonnement, je sais pas comment on appelle ça, d'écho, qui
peut y avoir d'un endroit à l'autre. Donc voilà, ici on rejoint l'entrée. Et là, c'est quand même une pièce qui fait 10 mètres carrés. Je vais un peu faire un plan plus large pour que vous voyez mieux, voilà. Donc c'est quand même pas mal. Après, je pense que si je veux stocker plus, il faudra que je réorganise un petit peu les étagères pour pouvoir stocker un petit peu plus sur plusieurs niveaux. Mais grosso modo, voilà ce que ça donne. Et je vais en profiter pour rester en plan large, pour vous remontrer le labo. J'essaie si possible de ne pas faire des plans larges pour que vous ayez une meilleure idée de la dimension, parce que c'est vrai que ça a tendance à grandir ou à déformer. Mais l'avantage du plan grand angle, c'est que bah, du coup, on se rend mieux compte quand même de la totalité d'une pièce, voilà comment elle est faite. Le labo fait 45 mètres carrés, lui. Et donc voilà. On va maintenant passer à la zone de cure et de libération. Donc on fait le même cheminement que font les produits. Donc ici, c'est là où sèchent les produits et où après on va les libérer. Donc à nouveau un point d'eau. Que pour faire les tests pH, laver les caisses, etc., on a besoin quand même d'eau. Donc c'est ici que je vais notamment étiqueter les produits. On va les faire sécher ici, les savons vont sécher ici. Là, j'ai tout ce qui est emballage, étiquette, etc. Et là, en fait, c'est des savons qui sont déjà libérés, qui sont déjà prêts à la vente. Mais vous allez voir, il y a la boutique et là où je prépare les commandes juste derrière et je ne veux pas surcharger cet espace de produits. Donc, c'est un petit peu l'arrière-boutique également. Donc, voilà cette pièce que j'aime beaucoup aussi. Hop, je vais me remettre un petit peu en grand angle pour que vous ayez une meilleure idée de comment... Et l'espace. Par la même occasion, n'hésitez pas si en commentaire vous avez des questions. Ce sera avec plaisir de vous répondre. Donc voilà la pièce de cure et de libération. Après, on arrive ensuite dans l'étape finale, la vente. Alors, c'est principalement pour le moment un endroit où je prépare des colis. Après, il m'est aussi possible de vous recevoir, notamment pour des retraits de commandes. Et l'entrée se fait directement, du coup, par ici, bien évidemment. Ça, je vous l'avais déjà pas mal montré en story. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a une nouvelle verrière ici et que du coup, que ce soit la personne qui prépare les commandes ou qui se trouve ici, qui peut voir ce qui se passe en fait dans le labo. Mais du coup, voilà, les gens qui peuvent nous rendre visite pourront voir également comment ça se passe. Alors tant que je serai toute seule, évidemment, si je suis là, je ne serai pas en train de fabriquer. Mais quand on sera à plusieurs, vous pourrez également voir les personnes en train de fabriquer les produits.
ce qui pourrait être quand même très sympathique, bien que je vous montre quand même pas mal de choses en vidéo et que je vais bien évidemment reprendre beaucoup de vidéos. Mon objectif de cette année, c'est de vous tourner quand même pas mal d'images de ce qui se passe ici. Donc voilà, tous les produits ici. Et en face, mon plan de travail pour préparer les commandes. Voilà. Faut que je retire la petite déco Noël, mais en même temps, je la trouve sympa. Et donc là, je vous rappelle que c'est la salle de libération. Je vais laisser ouvert pour que vous puissiez vous situer. Et je vais à nouveau vous faire un angle un petit peu plus large. Allez. Donc derrière ici, le labo. En suivant la zone de libération. Et donc ici, l'espace de vente boutique. Qui veut rentrer, la pauvre bichette, mais qui n'a pas le droit. Comment expliquer à un chat qu'il n'a pas le droit d'aller quelque part et surtout lui faire accepter l'idée? Bah oui, mais non. Ah, ça serait cool de pouvoir bosser avec elle. Je peux à mon bureau dans la maison, mais alors ici, mais non, hélas. Je suis vraiment ravie de vous avoir fait découvrir mon nouvel espace. Je m'y sens tellement bien. Je suis contente de pouvoir quand même en profiter toute seule, puisque je n'ai plus d'apprenti, je n'ai plus de stagiaire pour le moment, pas de personnel pour le moment. Mais d'un sens, je suis tellement contente de pouvoir profiter de cet endroit, de pouvoir me l'approprier. De pouvoir faire mes nouvelles marques, évidemment, et puis de reprendre un petit peu chaque tâche, une par une, de tout faire, un petit peu comme au début de la savonnerie. Parce que c'est vrai qu'après, quand on a une employée, une stagiaire, etc., y a des choses qu'on délègue fatalement, c'est le but aussi. En revanche, je serais évidemment absolument ravie d'accueillir des personnes ici pour travailler avec moi. Bien évidemment, un espace de cette taille-là n'est pas fait que pour une personne. Donc, ce sera un bonheur de vous recevoir. J'ai déjà reçu des stagiaires de la Flow Academy. Mais certainement, il y aura d'autres stagiaires, d'autres apprentis, d'autres personnes qui viendront bosser avec moi par ici. Et ça sera un grand bonheur. Je vous laisse sur quelques images et je vous dis à très très bientôt. Bye.